Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mobad Media dans là, depuis Mobad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois, visitez nos informations, partagez, intéressez. Pas oublier abonner avec Mobad Media Now. Et puis, oui, chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mobad Media Now. Là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Commandant chef la police nationale là, t'es lancé opération Terminator 1. Opération ça capitaine sous tout département yo, notamment au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Objectif opération, c'est démanteler réseau de gang yo, trafic de drogue, enlèvement et séquestration, crime de sang, crime transnational, trafic d'armes, viol, etc. N'a pas partagé avec la population et la presse bilan partiel opération Terminator 1 qui lancé depuis le 1er août et qui a duré 6 mois. Gagné une cinquantaine de monde qui déjà arrêté et au niveau département l'Ouestan et l'autre côté. Gagné 7 véhicules qui confisqués, gagné 5 chaloupes qui saisi, gagné 26 âmes qui confisquées, gagné 228 396 cartouches de tout calibre qui saisi, gagné 1324 kg 245 millièmes de marijuana, gagné 25 présumés bandits qui à la recherche, gagné tout 4 présumé bandit qui stoppé au niveau Port-au-Prince par la police lors du champ de tir. Gagné 2 présumés qui stoppé sous Taïokora au niveau d'Elma. N'a pas remercié publiquement la population grétienne qui t'est poté collé avec la police
côté que n'arrivé épinglé yon citoyen qui était en possession de yon et pistolet de calibre 9 mm côté que population hein, t'a aidé nous joindre. Gagne tout Céleste Peterson qui a arrêté tout dans zone cabaret et qui était en possession de yon pistolet de calibre 9 mm. Le 4 août, la police possède arrestation au niveau cabaret. Peterson Tézan, qui continue que les Peter. Steve Maxi, qui continue que les Tonton. Steven Oscar, qui continue que les Nico. Également, West Dev Zamor, qui continue que les Fat, pour implication présumée dans assassinat, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs. Le 22 août 2020, à cabaret. La police possède arrestation Joseph Rock Saint-Hilaire pour implication présumée dans assassinat, menace de mort et tentative d'assassinat. Le 24 août 2020, et dans zone Saint-Marc, Frécineau, la police possède arrestation de Jordan Pierre, qui continue à créer Bibidou, également Fenger Telusma, Evans Louis, qui continue à créer Tigo, pour implication présumée dans menace de mort, tentative d'assassinat, assassinat. Parallèlement, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, nous recensons 2 cas de viol sur mineurs et nous enregistrons 6 plaintes de monde, de jeunes dames qui violaient. Et nous réalisons toutes les plaintes et tout le monde qui est victime dans la zone pleine, à savoir Lille-la-Voix, Latin, zone Bon Repos, Tabar, également Santo. Alors, deux mouns qui ont arrêté pour viol sur mineur, c'est Jacques Louis, qui a 21 ans, qui violait un mineur de 17 ans. Également, Oscar Louis, qui a 28 ans, qui violait dans la zone juvénile un mineur de 9 ans. DCPJ arrêté. Bois droite, T. Junior, qui c'est chef gang La Saline, grillé Mackinson Michel. Et j'en nous dis, c'est Bois droite, monsieur. Et vrai nom T. Junior, c'est Serge Brunel ou Serge Junior. Et ça fait que le T. Junior, monsieur tout activement recherché. Il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et il reprochait monsieur tout pour implication dans le massacre qui était fait dans la zone La Saline en novembre 2018. Mackinson, Michel, Bois-Droite, T. Junior, chef de gang qui a recherché dans le cas d'affaires. Le 17 août 2020, DCPJ arrêté à Clercine, boulevard Toussaint Louverture, policier Casimir Charvion, pour implication présumée dans acte assassinat, tentative d'assassinat, incendie criminel, parce qu'il y a plusieurs véhicules qui n'ont mairie tabac qui incendiaient, et pour acte de vandalisme. Il y a tout, l'autre deux policiers tout qui arrêté tout dans le cadre homicide. C'est policier Billy Métil, policier Canol Marcelin. Pour le moment, il y a un isolement au niveau de l'inspection générale. Mais DCPJ est interpellé pour implication présumée dans la mort policier Hubert Mantou. N'a pas rappelé, ça est arrivé dans la zone sans fil. Et côté que policier ça, tu es de passage dans zone non, les une situation de troublant côté que les monsieur passé les yo et utilise les amis et malheureusement policier Hubert Mantou t'es perdu la ville. Et suite analyse balistique qui fait nous ouais que deux âmes service policier ça yo c'est eux même qui t'es tué policier ça. Et eux même tout yo avoué que yo utilisé zamyo contre malheureusement confrère yo qui c'est Hubert Mantou qui était de passage dans zone nan, les situations de trouble. Pour le moment j'en dis moun sa yo de police sa yo au niveau inspection générale. Gagne un démantèlement de gang qui fait au niveau les 400 Marozo que la presse te compte ça déjà côté que ont arrêté Iso mais il y a 11 moun qui en total arrêté dans 4 dossiers ça. N'a traité dossier mineur, disons, Timoun, Tibébé, 4 mois, Godson Joseph,
qui était tué par balle avec une autre dame qui était avec lui. Nous changer les négrios étaient tirés en direction du ça. Osmond Sayo, c'est Romulus Mathurin, qui continue à créer Walna ou Pouchon. Monsieur lui-même lui occupait de logistique base 400 Marozoa. C'est monsieur qui transportait les âmes pour Négro. Gagné Carlo Désir, alias Angelo, lui-même, c'est monsieur qui démolit les véhicules et qui avance les Négro et ces machines. Et puis monsieur lui-même démolit et puis l'avance. Gagné Oriol Antoine, qui continue à les déporter. Gagné Mackinson Cyrilus, alias T-Canada, ou Son. Monsieur lui-même, c'est lui-même qui impliqué surtout dans et identifier mon lui-même. Gagné Evans Tessalus, Fennel, gagné Luc Armel d'Orsainville, qui est une petite dame qui est Claudine, lui-même, il a un rapport lui-même avec et madame et l'homme en son jour. Et lui-même tout, il a avoué tout que et gagné un certain de Frito Lacombe qui continue à hocher, qui toujours les mêmes gagné Pesamzoul. Gagné tout Ronald Smith, Isma, également Anelson Bastien, qui c'est lui-même qui c'est Isoa, et le bon l'autre nom est tout Isolant, également Augusto Paconto, qui a arrêté lui-même parce que monsieur lui-même, jour qu'il a arrêté Isoa, il était sous moto avec Iso. Gagné près de 25 personnes que la police a pu chercher dans 4 dossiers. 25 personnes ont fait partie de 400 Marozoa. Et tout, pendant que nous avons traité le dossier bébé qui a perdu la ville là, nous avons tout traité le dossier tout et petit bébé qui a été tué Cité Soleil là. A savoir, les âmes que nous avons devant là, et ça d'après la tour, ils ont toutes saisi dans 4 opérations Terminator que le commandant-chef de la police a lancé. Et notamment 4 fusils à eux, nous saisissons dans la zone tabac, côté que la population quoi l'ouest, moun qui était en possession de 4 fusils à eux. Et l'autre âme à eux, c'est de moun, c'est des âmes que nous saisissons en province. Et nous avons dit tout, gagné tout, yon collaboration tout, de agents douanés tout, qui aidaient en pile BLTS dans ces saisis à eux. Alors, 4 âmes à eux, que nous voyons, nous avons saisi au niveau tabac 27 dans la rue Lambert, côté que nous avons arrêté Renel Petit d'Or. C'est les mêmes populations, les mêmes à regarder. Arrestation a fait le 24 août 2020. Et gagné tout 6 Jamaïcains qui ont arrêté tout dans le cadre de ça. Gagné Omar Kenton, Antonio France, nous avons arrêté au niveau Roche Jordan. Dans la zone La Saline, le 6 août 2020. Gagné tout Mazar Litan, Robert Marceau, gagné tout et Blood Desti, nous avons arrêté pour importation illégale et munitions. Nous joignons 50 cartouches, 40 cartouches de calibre 45. Et puis 50 cartouches de calibre 9 mm, c'est dans zone Terminator, dans terminal et la Phyto Cité Soleil. Gagné tout Zetren Ederson et Dieuvenson Clerville, William Benjamin, ils ont arrêté pour implantation illégale ZAM et munitions dans terminal la Phyto Cité Soleil le 18 août 2020. Également, gagné à savoir Chaloupio, nous saisissons dans la zone La Foulie, et qui trouvait dans Saint-Louis du Sud, trois Chaloupio, et l'autre deux, toujours dans le Saint-Louis du Sud, là, que nous arrivons à saisir. Question.
responsable de supervision de c'est comme ça yo yo sorti dans fonds KR que son financement du fonds KR de l'ambassade du Japon qui est représentant là avec nous monsieur Inoue responsable et représentant de l'ambassadeur du Japon en Haïti. Travaux ont démarré au 15 mai. Il a duré 18 mois. Nous-mêmes, au niveau du BMPAD et de l'ambassade de Japon en Haïti, nous voulons assurer nous que non seulement une firme de supervision que nous félicitons pour le bon travail avec une firme de construction, hein, mais nous-mêmes, nous voulons et nous sommes capables vin gade, vin oué, état d'avancement travaux. Nous réjouissons du fait que travail a marché très très bien et nous très satisfaits de l'avancement travaux. Et que nous avons demandé firme de construction et firme de supervision qui a fait bon travail, j'en ai dit tout à l'heure, puis nous continuer sur le même lancé. Et c'est à la satisfaction de milliers d'écolières qui fréquentaient le lycée ça, qui trouvaient nos situations difficiles depuis le 12 janvier 2018 à tremblement de terre là, que dans 18 mois, on va le retrouver finalement, il y a un bâtiment flambant neuf et qui respectait toutes normes et para et antisismiques. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Moi, ben, ingénieur, et que pour côté, tout parent qui a gagné satisfaction et pas un cœur sauté, le petit yo, chita en bas, dans le lycée, ça, et côté, tout élève yo, même, y a content pour recevoir le pain d'éducation, le pain d'instruction, et dans le lycée, ça. Moi, t'ai toujours dit que formation yo, bah, dans le lycée, yo, ça a été constitué yon dans sa mterele et yon l'une des plus grandes gloires de la République, la formation dispensée dans les lycées. Et moi-même, en tant qu'ancien lycéen, je compte de qui ça m'a parlé. Je m'a remercié l'ambassade de Japon qui était mettée comme ça à disposition du gouvernement via le BMPAD pour permettre que jodi en reconstruction lycée 150-naire communément appelé lycée des jeunes filles c'est une réalité telle que na vive li là en attendant que dans les prochains mois le na abouti à 18 mois de construction hein, na retrouvé nous pour nous capable inaugurer lycée ça mais toujours est-il n'a toujours fait le devoir. Nous avons fait nos points d'honneur pour, à chaque instant, pour nous visiter et lycée ça, pour nous superviser les travaux d'exécution. Yo. Même les gens, nous pas quitter le travail là seulement et non mais film d'exécution, hein. Encore moins c'est dans mes films de supervision. Nous sommes toujours là pour nous fouiller, regarder, pour nous état d'avancement. Yo. Si nous satisfaits, même les gens aujourd'hui, pour nous clair, pour nous dire satisfaits, et nous souhaitons chaque fois que nous venons à plus satisfaits, nous n'avons jamais eu une opportunité pour nous dire ne pas satisfaits. Je souhaitais que le responsable supervision prenne note et je souhaitais que le responsable firme prenne note de satisfaction ça que nous gagnons aujourd'hui. Puis dans quelle mesure satisfaction ça a toujours été même gens le nous venons dans 2 à 3 mois encore, du moins dans 2 ou 3 semaines ou du moins dans 2 ou 3 mois le venons, ouais, ça va passer dans le film. Je pense que séisme dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Yo en pleine de construction, travail yo après les bons trains ici hein. Nous pas fin tarine des loges pour film de supervision et film d'exécution. Film d'exécution qui c'est le nom c'est Execo et la film de supervision c'est JB oui BJ architecte. Maintenant, ça que nous avons dit là, c'est satisfaction nous que nous éprouvons par rapport à l'état d'avancement de travail qui en avoisine les 12 à 13% ici. Hein. Il a été démarré le 5 mai 2020 et durée de travail là-haut, c'est environ 1 an. Il a supposé
remettre clé lycée ça flambant neuf en mai 2021. Moi-même, toujours parler de gloire au pays à gagner parce que je suis ancien lycéen, je vous dis ça que Margot dit encore que à côté de la femme haïtienne qui était coup de drapeau à côté de l'armée qui était dans notre pays ça à côté de la jeunesse qui c'est seul avenir pays ça la formation dispensée dans les lycées c'est l'une des gloires de la République. Si on a de nos quatre gloires au pays à gagner, un c'est la femme, deux c'est l'armée, trois c'est la jeunesse et dernière là c'est la formation donnée au lycée. Je pense que le lycée ça qui pourra le faire là la permettre que petite tout le monde qui a fréquenté lycée lycéen lycéenne capable de joindre une formation adéquate dans deux bâtiments qui répondent aux normes et nous-mêmes nous toujours à assurer visite ça ou faire visite guider ça au site là de telle sorte que pour connaître qui état d'avancement de travail là faut que nous dise que travail ça c'est grâce à l'ambassade du Japon dont représentant la côté moi là qui mettait fond ça à travers le fond KR. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.